Dialéno, votre web TV. Voilà déjà le dénouement de notre affaire. Pour nous y aider, un témoin est revenu sur les lieux du premier festival du court-métrage belge, commis il y a 20 ans à Charleroi. Ce témoin, c'est Philippe Reynard. C'est lui qui a prononcé la sentence. Ceux qui ont désigné les coupables, ce sont eux, les jurys. Le premier est composé d'étudiants et présidé par Nabil Benyadir, le réalisateur du film Les Barons. Le coup près tombe. Le prix du jury étudiant est attribué à Bad Pakje Zessenwertek de Wannes de Stoop, qui raconte les péripéties de Chantal, une jeune fille un peu ronde qui a du mal à trouver son chemin à travers la vie. Ik had dat niet mogen zeggen. Het is heel schoon met je badpak. Ik heb eigenlijk nog een nieuwe zwembril nodig voor de wedstrijd. Maar heb jij toch een goeie? Ja, 1100 frank voor een nieuwe zwembril. Je hebt nog maar juist een nieuw badpak gekregen. Le second jury rassemble des professionnels du cinéma belge. Présidé par la comédienne flamande Marijke Pinois, il a décerné son grand prix au documentaire d'Annabelle Verbeek, Les enfants de la mer, qui nous montre le quotidien d'une école pour garçons en difficulté familiale et comportementale. Ben, je compte que tu portes de nouveau dans la piscine en terre. Pas parce que tu es brave, je pense. Un peu blinker, Jean. Afdrogen is niet alleen hier. Tous les indices concordaient pour que cette 20e édition du Festimage soit une fois encore la fête du court-métrage belge et le vivier des jeunes talents tout juste sortis des écoles de cinéma. Et nous savons déjà qu'il y aura récidive.